Salut à toutes et à tous, c'est Rivless. Alors mes petites merguez, ça gaze ? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Bah sérieusement, bon je déconne ! Plus sérieusement, je vais vous faire mon retour sur le premier Tooly Sport qui est sorti pour la NCN Trilogy. Un retour bref puisque je vous ferai part de plus de détails dans une vidéo dédiée à la réalisation des Tooly Sport. Alors déjà c'était assez éprouvant à faire, puisqu'il m'a fallu énormément de temps pour faire le doublage dans la vidéo, le montage en lui-même, et aussi pour la réalisation de la scène post-générique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à retourner sur la vidéo de Tooly Sport et à la visionner jusqu'au bout. Car oui, Analytics me dit que vous êtes quelques-uns à avoir loupé la fin. Oui, je sais, avoir foutu ça en scène post-générique, c'était à prévoir. Mais bon. Mais d'un côté, je pensais que vous auriez été curieux en allant jusqu'au bout, parce que ouais, il reste quand même une bonne minute à la fin. À part l'aspect montage, il y avait aussi l'aspect pression. Oui, je m'étais foutu la pression, puisque vous étiez nombreux à m'avoir fait part de vos attentes vis-à-vis d'Alain et Roger, que vous étiez pressé de le revoir, et d'un côté j'en étais flatté. Mais d'un autre, j'avais le sentiment qu'il fallait que je fasse un truc encore mieux que d'habitude, alors que c'est toujours ma démarche, certes, mais j'avais le sentiment qu'il fallait pas que je me foire, donc du coup j'avais une certaine pression, et je voulais vous sortir vraiment un truc béton, un truc qui déchire. Et j'ai sorti cette vidéo vraiment quand j'étais satisfait de ce que j'avais fait, puisque si je suis moi-même pas content de ce que je fais, comment je peux espérer de quelqu'un d'autre d'en être content? Et vos retours vis-à-vis de cette vidéo m'ont fait énormément plaisir. Et j'ai choisi deux commentaires qui ont été faits sur cette vidéo pour y répondre en vidéo, pour qu'un maximum de gens puissent voir ma réponse. Commençons par Mathieu et Deline. Youpi, revoilà Alain et Roger, content de les revoir, et hâte de voir comment tu t'en es sorti sur les niveaux des ponts. Ah, les niveaux des ponts. Des bons souvenirs. Ou pas. Alors déjà Mathieu, merci pour ton commentaire. Et pour les niveaux des ponts, ça s'est bien passé. Honnêtement oui, j'ai trouvé des niveaux bien pires et vous le saurez dans les Tooly Sport en question. Je ne m'étends pas davantage sur le sujet. Ah et sachez également que je me suis fixé un défi pour les niveaux des ponts, c'est... De pas passer sur les cordes. Pardon. Je tenais à faire ces niveaux sans passer sur les cordes, c'est parce que quand on regarde des time trials sur ces niveaux sur le net, on peut constater que beaucoup de gens passent sur les cordes. Et comme mes vidéos sont aussi à but pédagogique, que c'est pas uniquement du fun mais c'est aussi des vrais conseils, je voulais réellement faire ce niveau à la régulière pour vous montrer que c'est possible. Et d'ailleurs Mathieu, tu m'avais répondu sur ce commentaire, et c'est ça que j'aime bien avec Alain et Roger, un compromis parfait entre humour et conseil. Et c'est parfaitement ce que je veux faire avec Tooly Sport. Et passons au deuxième commentaire, SpyRH. Tu nous avais dit qu'il y avait du changement, et ben là j'approuve ce changement. Plus simple pour la scénette de la fin, ça va être récurrent ou c'était spécifique à l'épisode? Alors la petite scénette à la fin, j'ai pris énormément de plaisir à la faire, et ce sera malheureusement pas à chaque épisode. Déjà parce que c'est long à faire et que des fois j'aurais pas forcément de choses intéressantes à dire par rapport à l'histoire qu'il y a derrière Tooly Sport. Bon, faut pas s'affoler, c'est qu'une petite histoire, c'est comme un petit fil rouge, on va dire. Mais ça sera amené à revenir, ne t'en fais pas. Et comme je disais que Tooly Sport, c'est à la fois du pédagogique et du fun, j'aimerais en profiter pour vous dire que Tooly Sport, j'aimerais l'étendre à d'autres jeux. Je voudrais pas que ce soit uniquement dédié à Crash Bandicoot. Imaginez Alain et Roger sur un autre jeu. Je vois pas lesquels en question, mais vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je prends note de toute proposition. À ne pas sortir de son contexte. Et une autre question m'était revenue plusieurs fois, c'était... Rivless, vas-tu faire le DLC sur le premier Crash? Oui. Je rajouterai même que la relique en platine se trouvera dans le dernier Tooly Sport consacré au premier Crash. Ensuite, comme les Tooly Sports sont assez longs à faire, je me vois malheureusement contraint de réduire mes rythmes de publication de let's play traditionnel. Donc, j'avais réussi durant le mois de juillet à faire 2 vidéos par semaine de Crash, bah là ça va être réduit à 1 pour les prochaines semaines. Désolé. Comme je l'avais dit dans mon précédent point, la réalisation de ce genre de vidéo est assez pénible dans le sens où il faut que je trouve le temps de le faire. Et c'est rare que j'ai plus de 2-3 heures d'affilée à y consacrer. En général c'est le soir, mais des fois j'ai d'autres choses de prévu. Pour vous donner une idée, le premier contre-la-montre m'a pris 12 heures de travail. Alors attention, ça veut pas dire que j'arrête les displays, loin de là, c'est juste que ça va être réduit le temps que je fasse les Tooly Sport. Et en parlant de rythme de publication chaotique, vous en faites pas, Borderlands ça continue bel et bien, parce que là on a sorti qu'une vidéo pour l'instant, c'était sur Moxie, mais vous en faites pas, il faut juste que des fois on trouve le temps de se coordonner, et des fois on a des empêchements IRL, et quand on est qu'à 3, c'est impossible de tourner du Borderlands, faut qu'on soit impérativement à 4. On fait au mieux les mecs. Et une dernière chose pour conclure cette vidéo, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez les jeux de société? Puisque comme vous avez pu le constater, j'en ai quelques-uns. Alors peut-être aimeriez-vous que je vous fasse la présentation de certains parmi eux.
Alors ce ne serait pas pour forcément tout de suite puisque les Toulisports m'occupent déjà beaucoup en ce moment, mais ce serait un projet auquel j'aimerais me consacrer plus tard. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je pense avoir tout dit, je vous ai parlé de Toulisport, des retours vis-à-vis de certaines questions, je vous ai dit que le rythme de publication de vidéos de Let's Play allait se réduire un petit peu, et je vous ai rappelé que Borderlands ça continue, on vous oublie pas, et je vous ai fait part d'un autre de mes projets. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez d'autres questions ou si vous voulez réagir par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous en pensez du concept du point. Est-ce que vous aimez que je vous fasse ce genre de retour à peu près tous les mois? Et ne vous en faites pas, je lis vraiment tous les commentaires. Vraiment. En tout cas, voilà, un énorme merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !